Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur France 3 Centre-Val de Loire pour un nouveau numéro de 9h50 le matin. Merci d'être avec nous. Il vient de rouvrir ses portes il y a quelques semaines. Le château musée de Gien offre au public une muséographie renouvelée qui retrace l'histoire de la chasse et de la nature en Val de Loire. La conservatrice du département du Loiret présentera ce site historique à l'ambiance singulière où l'on peut notamment découvrir une collection de trompes de chasse, instrument que Guillaume, enseignant et sonneur, va nous faire découvrir. Vous verrez que la trompe n'est pas uniquement destinée à la chasse à courre. Nous écouterons tout à l'heure un morceau surprenant. Et enfin, Olivia propose deux livres évoquant la nature et ses merveilles, Le bestiaire sauvage, histoire et légende des animaux de nos campagnes, et La chèvre au loup de Maurice Genevoix, grand auteur du XXe siècle, bien connu en Val-de-Loire. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 23 juin. Je vais rejoindre Charlie et Carole. Bonjour à tous les deux. Comment ça va? Vous êtes en forme? Vous avez bien dormi? La nuit était plus fraîche, hein, Charlie. Mieux que la nuit d'avant. Est-ce qu'on pourra quand même faire de belles activités avec cette météo changeante ce week-end? Direction Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher pour découvrir le zoo de Beauval, découvrir ou redécouvrir avec une visite VIP. Depuis quelques jours, le zoo de Beauval propose d'aller dans les coulisses du zoo. Ce n'est pas donné à tout le monde, attention. Et puis, vous aimez l'eau? Oui. Et bah, je vous parle de ski nautique dans la région. Carole, vous aimez beaucoup cela. J'en ai déjà fait, moi. Vous avez déjà fait ces derniers jours avec la chaleur caniculaire? Voilà. Non, voilà. Là, j'étais à France 3 sous la climatisation. D'accord, ça a changé la météo, on va en parler dans quelques instants, et puis on l'a constaté ce matin. Et on parlera aussi justement, parce que peut-être que vous vous êtes fait piquer durant la nuit par les moustiques. Charlie, vous avez des bonnes idées pour ça. Bon, quelques petits conseils pour éviter de vous faire piquer. Ouais. Et puis, si vous êtes fait piquer quand même, eh bien, on va essayer de guérir tout ça et de limiter les démangeaisons. Bon, elle n'a aucun bouton sur le visage chaque jour dans 9h50 le matin. C'est Héloïse qu'on va rejoindre ce matin à la Mode Beuvron, puisque aujourd'hui, jusqu'à dimanche, commence l'édition 2017 du Game Fair. Bonjour Héloïse. Bonjour Jérémy, belle transition pour démarrer cette émission, vraiment, bravo. Nous sommes effectivement au Game Fair, c'est une tradition à France 3 de suivre de près cet événement. Il faut dire que c'est un événement majeur ici en Sologne, au Parc fédéral équestre de la Motte-Beuvron. Alors, on a de la chance ce matin, on est là avant l'ouverture des portes. Les portes ouvrent tout à l'heure à 10h30. Pour le moment, dans les allées, c'est très calme. Mais dites-vous bien que ce week-end, on attend 80 000 visiteurs ici. Et il faut dire qu'il y a de quoi les satisfaire, tous ces amateurs de chasse. Il y a 500 exposants qui sont là, rien que pour eux. Alors cette année, le Sénégal est à l'honneur. Et puis comme toujours, on verra beaucoup de chiens de chasse. J'ai d'ailleurs rendez-vous dans un instant avec Emmanuel qui est éleveur. Je vous propose donc de venir nous retrouver pendant que tout le monde finit de s'installer ici. Alors on se retrouve dans quelques instants, Héloïse, on va également évoquer les animaux avec vous, Charlie, puisque direction le zoo de Beauval, alors on en parle beaucoup dans cette émission, mais la visite que vous nous proposez ce matin est assez particulière et étonnante. Bah, mais on verra juste après, parce qu'il y a quand même la météo avec Carole. Vous avez failli m'oublier. J'ai failli vous oublier, évidemment. Eh bien, cette météo, elle est plutôt agréable. Là, ce matin, on respire bien. Hein. Nous avons eu donc cet épisode caniculaire qui se termine aujourd'hui et c'est tant mieux. Alors, on a eu des records de chaleur et la journée la plus chaude, eh bien, ça a été le 21 juin, le premier jour de l'été. Oui. Cette canicule qui a duré du 19 au 22 juin, très précisément. Alors, le 21 juin, nous avons eu 36,6 à Orléans, 36,7 à Châteauroux, 35,5 à Bourges. Enfin, ça se vaut. Mais nous avons eu très, très chaud. Alors, cette nuit, pardon. C'est considéré comme canicule après combien de jours? Alors en fait, il faut que pendant 3 jours, on ait des températures supérieures à 34-35 degrés en journée et que la nuit, ça ne redescende pas en dessous de 18 degrés durant 3 jours également. Donc là, on était en plein dedans. Cette nuit, nous avons une petite invasion de nuages. Vous le voyez, le ciel est un petit peu couvert. Ça ne va pas durer cet après-midi. Retour d'un beau soleil avec des températures, ma foi, cette fois-ci bien agréables. Nous aurons 26 degrés pour le nord de la région, donc du côté de l'Eure-et-Loire, jusqu'à 30 pour le sud, du côté de Bourges. Donc, ambiance très agréable. Samedi. Demain, donc, météo idyllique, je ne peux pas faire mieux. Du soleil, des températures, vous le voyez, 14-26, c'est parfait. C'est dimanche, 14-26. Voilà. 15-27, c'est samedi. Bon, ça se voit, un petit degré. Ça oui. Mais c'est important. Un degré, c'est vrai. C'est important. Et puis dimanche, ça se gâte un petit peu, mais alors juste le matin, avec deux petits nuages, peut-être quelques gouttes de pluie, mais alors vraiment pas grand-chose. Et puis l'après-midi, retour d'un beau soleil, 14 à 26 degrés. Et puis lundi, ben, vous le voyez, toujours un temps très, très agréable. Il faudrait quand même qu'il pleuve un petit peu, hein, parce que les sols sont vraiment, vraiment En tout cas, on le sent, nous sommes bel et bien
en été, ça... La sécheresse nous guette quand même. Commencer l'occasion pour nous donc d'aller à Beauval, Charlie, je le disais il y a quelques instants. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'un des 10 plus beaux zoos au monde, qui est le zoo de Beauval. 10 000 animaux, 600 espèces différentes sur 30 hectares. Il y a plein d'animaux différents, hein, des hippopotames, des éléphants. Je vous ai parlé également de pandas, c'est le seul parc en France à détenir des pandas, le zoo de Beauval. Des koalas, rappelez-vous, je vous avais parlé de Tinaru. Petite naissance, on se souvient ça. Oui. C'est toujours un événement, une naissance au zoo de Beauval. Ça, c'est tout ce qui est en surface. C'est tout ce qu'on peut voir au zoo de Beauval. Mais ce qui est intéressant, Jérémy, vous n'allez pas dire le contraire. Ce sont les coulisses. C'est de découvrir ce qui se passe derrière. Comme et ça, le zoo de Beauval, le parc l'a très bien compris, puisque depuis quelques jours, le zoo de Beauval propose des visites VIP. Ça s'appelle Beauval en coulisses. Avec tout simplement la possibilité pour vous, Carole, pour vous, Jérémy, pour vous également, de visiter les coulisses du parc. Tout ce qui est interdit au public. Par exemple, on peut aller dans le bassin ou à côté du bassin des hippopotames. Alors, on participe aussi au nettoyage, par exemple, des espaces de vie de ces animaux. Alors, il y avait deux solutions, il y avait deux projets pour le zoo de Beauval. Soigneur d'un jour, je vous en avais parlé, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un soigneur pendant une journée. C'est plutôt ce qu'on voit. Mais là, le Beauval en coulisses, c'est une visite VIP. Donc là, on s'occupe essentiellement de connaître l'histoire des lieux et de découvrir ce qui se passe vraiment derrière. Alors, c'est incroyable, on est au contact comme ça des animaux en fait avec les soigneurs, c'est attachant, Carole. Hein. Ah ouais, j'adore. Vous voyez, émerveillé. on peut les toucher justement les animaux alors, parce que nous sommes à proximité d'eux. On peut pas les toucher, on peut bien sûr s'approcher au maximum des animaux. Je vous emmène dans le bâtiment de la savane africaine avec la possibilité d'observer justement le nourrissage des girafes avec cette journée donc VIP. On entre aussi dans le bâtiment des hippopotames. Ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, avec découverte du système de filtration de leur bassin. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 1000 mètres cubes d'eau qui sont filtrés en une heure, sachant qu'un hippopotame fait 30 à 50 kilos d'éjection par jour. Voilà, donc ça, on ne le découvre pas forcément. Ah, ouais. C'est assez bruyant, par contre, un bassin des hippopotames. On se rend compte qu'il y a une logistique quand même très importante pour soigner en fait, ces animaux et leur donner un cadre de vie agréable. Pas pour qu'ils soient heureux, surtout, hein, parce que je crois que c'est la priorité avant tout. Bah, justement, vous parlez de clinique. On a un petit aperçu également de la nouvelle clinique vétérinaire, un centre médical et de recherche unique en Europe. On peut le découvrir avec cette visite VIP aux zoos de Beauval. C'est 45 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants. Voilà, Carole, vous êtes l'amie des animaux, on le sait bien. Vous allez vous inscrire pour ces prochains jours. Alors, une autre activité, Charlie, je ne sais pas si Carole, ça va vous plaire, parce que c'est une activité quand même assez intense et il faut une certaine force physique. Hein. Vous avez déjà fait du ski nautique ? Oui. Carole, oui. Jérémy ? Oui. Ski nautique, c'est sûr. C'est assez violent, c'est assez physique, quand même. Hein. Ça part à 30 km/h. C'est physique et violent. Et pour se tenir en fait, sur les skis, ça demande quand même un entraînement assez important pendant plusieurs minutes. Alors, il faut savoir que le ski nautique, en fait, c'est né en France, en Haute-Savoie, en 1920, sur le lac d'Annecy. Mais c'est un Américain, un jeune Américain à l'époque, en 1922, qui s'appelait Ralph Samuelson, on va le voir en photo, qui a vraiment inventé le ski nautique. Puisque lui, au départ, il utilisait des skis pour aller sur la neige. Et puis, il s'est dit, c'est pas terrible, je vais essayer de me construire mes propres skis. Des skis en bois un petit peu plus larges. Et son frère avait un bateau à moteur. Et c'est son frère qui prend la photo qu'on voit. On le voit sur des skis en bois. Vous voyez, c'est un petit peu plus large que des skis à neige. Et c'est lui qui aurait vraiment inventé le ski nautique. Donc le ski nautique, ce n'est pas forcément réservé que dans le sud de la France. On en fait surtout chez nous, à Pouligny-Notre-Dame. C'est dans l'Indre. Il y a une base nautique qui a ouvert ses portes il y a environ un an. Et qui propose donc de faire du téléski nautique. Regardez, c'est cette base. Alors, on voit ces images, il y a quelques instants, on voyait des images aériennes sur ce lac. Et là, donc, on se tient à genoux, en fait, là-dessus. Alors ça, c'est pour les débutants. Là, c'est du wakeboard. Là, c'est plus les débutants, je pense. Hein, là, c'est du wakeboard. C'est une variante, en fait, du téléski nautique. Il y a le ski nautique. Et on en reparlera mardi prochain, justement, dans 9h50 le matin, du wakeboard, un peu plus en détail. Alors, la différence entre le téléski nautique et le ski nautique, en fait, le téléski nautique, c'est du ski nautique sans bateau. Donc, ce qui est bien pour l'environnement. C'est bien pour le bruit également. Et c'est un peu en fait comme si vous alliez en sport d'hiver, vous êtes tiré en téléski par des câbles. Bah, c'est la même chose, sauf que là, vous êtes tiré avec sur un bassin. Très bien. On va prendre un peu plus de hauteur très rapidement avec du parapente, hein, parce que évidemment, c'est aussi une activité qui nous permet en fait de découvrir les paysages du Val de Loire qui sont remarquables d'une autre manière. On n'a pas de montagne chez nous, mais on a le Sancerrois avec ce paysage de vigne tout simplement magnifique. Je vous propose de prendre des cours de parapente, de faire des initiations au parapente grâce à Revdel. C'est une école professionnelle de parapente qui a ouvert ses portes
l'année dernière, qui propose donc au grand public de faire des baptêmes. Alors l'expérience est assez incroyable. On démarre d'une colline. Pour ceux qui connaissent, ce sont souvent les caves de la Mignonne et le clos de la Pussy à Buée. C'est dans le Cher. Et bah, si le vent vous fait défaut, vous êtes tracté également. C'est un peu comme le téléski nautique. Regardez ces images magnifiques, soit en biplace. Faut pas avoir le vertige. Ouais, mais non, parce que sans quand même, moi. Hein. Carole, ça. Non, pas là. Moi, j'ai le vertige. Moi, ça me fait très peur. On va à 400 mètres de hauteur en plus. Et on a un paysage magnifique avec un professeur, un diplômé d'État, bien sûr, qui a créé cette école. Donc, à côté de Sancerre, voilà, dans le Cher. Dans le Cher. À Buée. Merci beaucoup, Charlie. On va rejoindre Héloïse, qui ce matin est en direct de la Motte Beuvron, hein, sur France 3, Centre-Val de Loire, partenaire de cet événement, le Game Fair, le plus grand salon de la chasse en France, Héloïse. Oui, et en France, en Sologne, on chasse parfois avec des chiens. Et c'est pour ça qu'il y a un immense village chien ici au Game Fair. 3000 chiens présents sur place avec tout un tas d'animations. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec un éleveur dresseur bien connu de la région. Il s'appelle Emmanuel Bourgeois. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes venu avec deux de vos compagnons. Ouais, le père et le fils. Le père et le fils. Ixo et Louride. Et Louride, ça voilà. Marche. Ce sont quel type de chiens ? Pointer, c'est des chiens qui chassent en plaine, ouais. La plume principalement. La perdrix, plume, ouais, la plume, la perdreau, faisan, et bécassine au marais, et bécasse au bois. Mais c'est des chiens qui ont une qualité de nez, une puissance de nez au supérieur ou égal au meilleur chien d'arrêt. Alors, avant qu'on fasse une petite démonstration, on dresse un chien pour la chasse pendant combien de temps ? Selon l'animal, selon ses compétences, entre 5 et 8 semaines. D'accord. Voilà, pour la chasse pratique, oui. Vous, c'est votre métier depuis combien de temps ? Ça devient indécent, 35 ans. Ok. Et vous arrivez à tous les dresser ? Non. Non. Ça marche avec tout le monde, non ? Non, c'est comme les enfants. Il y a, c'est il y a, comme les voilà. enfants. Il y en a 3-4% qui n'ont pas forcément les qualités requises ou qui ont des peur du coup de feu, des choses comme ça qu'on ne peut pas guérir. D'accord. Voilà. Ok. Eux, ce sont vos chiens à vous ? Non, ce sont des chiens de propriétaires. D'accord, qu'on voilà. vous a confié. Que je drive pour la compétition. Alors voilà, parce qu'il y a quand même aussi. Partie compétition. Voilà, on se sert des chiens pour chasser, mais il y a de la compétition. Voilà. L'un des deux est champion, hein, c'est ouais, ça ? Oui, le père, Ixo. Voilà, et le fils est parti pour. Il y a déjà c'est assez en couple. Voilà. D'accord. Une dernière question avant la démonstration. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier en fait ? C'est le contact déjà avec l'animal et la sensation qu'il me donne sur le terrain parce que c'est assez artistique. L'arrêt, le patron, le placement sur la quête, voilà. Donc c'est quelque chose. C'est des moments très particuliers entre le chien et vous. Complètement. D'accord. Et on peut. Si vous faites une erreur, le chien va le ressentir. Ah oui. Ouais. Complètement, ouais. Ouais, et puis il ressent une inquiétude, des choses comme ça, bien sûr. Ouais. D'accord. Ça, c'est fusionnel. Hein. D'accord. Ça, si on veut obtenir un bon résultat, il faut qu'il y ait une complicité. D'accord. Vous avez toujours aimé les chiens ? Ouais. Depuis tout petit ? Ouais, depuis l'âge de. Ouais, la passion est tombée à 15 ans, ouais. Ouais. C'est ça que je veux faire. D'accord. Voilà, ça fait quelques années maintenant. Ouais. Et je sais que vous êtes très reconnu, vous êtes dans le Perche, vous êtes oui. situé à Thiron-Gardé. Ouais. Ouais, effectivement. On a une petite démo pour vous, Jérémy, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? Là, on va faire dans un endroit artificiel, uh-huh. On va faire un arrêt à un patron. C'est-à-dire c'est quoi l'arrêt, un patron ? L'arrêt, le chien va se bloquer sur l'émanation de l'oiseau qui est là, situé dans une boîte d'envol. Uh-huh. Et son fils, Louride, je vais l'envoyer après pour qu'il patronne son père. C'est-à-dire qu'il le respecte. Ok. D'accord. Eh bien, on y va. C'est D'accord. parti. Ixo. Hop, on est aidé. Hein. On a... Aïe. Voilà. Aïe. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Là, il a pris l'émanation. Ça veut dire quoi, il a pris l'odeur de l'oiseau parce qu'on l'a mis à la boîte dans la direction du vent, sous le vent. Et d'accord. Voilà. Boîte dans laquelle. Il y a un pigeon. On trouve un pigeon. Et là, on va envoyer son fils. Aïe. Aïe. On peut les accompagner ? Oui, oui. Chut. Vous voyez, hein, Jérémy, c'est quand même assez fascinant comme il donc s'arrête, là, comme il le se bloque. Le fils est au patron sur son père, c'est-à-dire il respecte. Alors je le fais avancer. Normalement,
En situation naturelle, non. Le chien doit rester, ne doit pas bouger. Mais là, c'est pour l'image. Voilà. Hein, donc, moi, je vais arriver au niveau de XO. Mm-hmm. Hein, et en situation ou de chasse ou de concours, oui. L'oiseau doit partir. Donc l'oiseau va partir, ouais, ça va se passer. Je vais faire avancer, ouais. Et ils ne doivent pas bouger, et on va tirer un coup de feu, vous voyez. D'accord. Voilà. Et le fils, vous voyez, une expression, il lui sent pas, mais il voit son père, et il y a une attention particulière. Juste avant qu'on libère le pigeon, vous avez appris ce métier comment? En stage, en faisant des stages. Et après quoi, ans. Il faut du feeling? Ah bah ouais, complètement. Ça s'est fait qu'avec le ressenti. D'accord, hein, d'accord. Ça marche. Hop, on va. C'est bon. Allez, c'est parti pour le coup de feu. Voilà. C'est bien. Voilà, donc les chiens restent immobiles. Ça veut dire qu'on a... c'est gagné, là. Ouais, c'est gagné. Et en action de chasse, souvent, quand l'oiseau tombe, je fais rapporter à celui qui a respecté l'autre. D'accord. Pour le conforter, pour lui dire... Pour le récompenser. Pour le récompenser, parce que c'est un peu frustrant d'être derrière. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. J'espère que ça vous a plu, Jérémy. En tout cas, sachez que c'est un métier qui s'apprend vraiment dans la durée. Oui, dans la durée, complètement. Ouais. Parce qu'il y a différentes situations, il faut s'adapter. Voilà. À chaque situation. C'est comme le bon vin. Comme le bon vin. Merveilleux, superbe conclusion à vous. Alors ça nous a plu effectivement, Héloïse, nous sommes assez bluffés de voir cette position figée que les chiens pouvaient avoir il y a quelques instants. Il y a aussi des animaux figés au château musée de Gien, on en parlera dans quelques instants avec vous. Françoise, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la conservation donc, au département du Loiret. Et le château donc, musée de Gien a rouvert ses portes le 24 avril dernier après 5 années de travaux qui redonnent à l'édifice tout son éclat d'antan, puisque le château, il date du 15e siècle. Tout à fait. En fait, il y avait un château précédemment, mais ce château qui appartenait à la couronne de France a été donné par Louis XI à sa fille Anne de Beaujeu, oui. Qui a voulu lui donner un caractère un petit peu plus habitable et qui l'a mis au goût du jour de la Renaissance, qui commençait à faire ses premiers pas en France, venant d'Italie. Donc, en fait, les travaux de réhabilitation ont commencé à la fin du XVe siècle, vers 1492. Alors, c'est vrai que c'est un château qui domine toute la ville de Gien lorsqu'on on arrive. C'est assez impressionnant. Il a été endommagé, ce château, quand même, durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors, il a eu quand même beaucoup de chance. De la vie de beaucoup, c'est que en fait il n'a eu comme dégâts que un incendie provoqué par une bombe incendiaire. Mm-hmm. Qui a détruit une grande partie de la toiture, endommageant également le dernier étage, si vous voulez, avec la disparition de certains planchers. Alors, on va voir quelques images, justement, de ce château maintenant restauré, comme je le disais il y a quelques instants, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le site était déjà dédié à la chasse, avec Henri de Linares, qui fut le premier conservateur du musée, mais avant tout un chasseur et amoureux d'art, puisqu'il était aussi peintre, ce personnage. Tout à fait. Alors Henri de Linares est en effet un personnage haut en couleur qui a un passé assez brillant puisqu'en fait il a fait partie des réseaux de résistance pendant la guerre. Et en 1952, avec l'aide de son ami Pierre-Louis Duchartres, qui était en fait un inspecteur des musées de France, il a pris l'initiative, ils ont pris l'initiative commune de créer un musée de la chasse sur un territoire de chasse qu'est le Loiret. Alors, les collections ont été recueillies au fil des années, se sont aujourd'hui présentées donc, dans une muséographie totalement repensée. Comment vous l'avez imaginé, cette muséographie contemporaine, pleinement ancrée dans le XXIe siècle? Alors, nous ne sommes que, des conseiller, si je puis dire, puisqu'en fait la muséographie appartient à l'équipe de muséographes qui a été sélectionnée par le département et qui a suivi, un petit peu l'idée que nous voulions donner à ce château, la nouvelle idée premièrement, voulait recentrer le sujet sur le Val-de-Loire et qui, par ailleurs, voulait ouvrir le propos aux néophytes. Contrairement à ce qui était fait auparavant, c'était un musée qui était vraiment
très apprécié uniquement par les amateurs de chasse. Là, nous avons voulu faire en sorte que tout public puisse s'approprier les collections et comprendre l'intérêt de la chasse en tant que loisir et sport de plein air avec des les tas de qualités. Les différentes techniques de chasse qui sont présentées. Parce que Charlie, si vous ne connaissez pas, il y a plein de techniques de chasse. La chasse au vol, la chasse à court ou la chasse à tir, entre autres. Les nouvelles technologies occupent une large place justement dans la muséographie, notamment avec des écrans panoramiques. On l'a vu il y a quelques instants, on va voir quelques images qui nous plongent dans les ambiances quand même des forêts alentour et qui rendent finalement ce musée plus vivant. C'était l'objectif? Tout à fait. Alors, nous sommes aussi, c'est un musée de l'orée du 21e, mais nous sommes quand même dans le 21e. Les multimédias ont commencé à occuper les musées depuis déjà quand même un certain nombre de décennies. Et donc, il était absolument impensable d'envisager un nouveau musée dans l'ère du temps sans y faire apparaître des multimédias qui sont en fait des aides à la visite et qui veulent vraiment se comprendre comme cela et pas autrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont qu'un accompagnement. Et on voit très bien des publics, notamment des publics âgés, qui se passent complètement d'utiliser ces multimédias et qui font la visite simplement en appréciant les œuvres d'art ou la taxidermie notamment, qui n'est pas écartée évidemment et qui s'illustre dans certaines salles du musée. Que permet justement l'exposition d'animaux empaillés? Parce que ça surprend toujours finalement de voir ça dans les musées, mais c'est un réel intérêt pédagogique notamment. Alors, ça a un double intérêt, c'est que premièrement, ça fait partie des collections du musée et nous avons pour vocation de mettre en valeur et de montrer au public les collections existantes. Là, on voit quelques têtes, notamment un lion qui domine cette photo. Voilà, alors là, il s'agit en fait d'une salle tout à fait particulière, c'est la salle Étier de Bois-Lambert. C'est une collection qui a été donnée en 1972. Ah oui, il y en a partout. Oui, voilà, dans une présentation qui date d'ailleurs de 1972, qui a été un petit peu remise au goût du jour. Voilà, avec cette couleur bleue quand même qui frappe le regard lorsqu'on est dans cette salle et qui permet d'avoir un détachement complet en fait des cornes que l'on voit accrochées. Ça a une importance accrochée. Cette couleur justement dans la salle. Alors, c'est un côté esthétique. Je dirais que les couleurs précédentes voulaient soi-disant rappeler un petit peu les couleurs sahariennes et de la pampa, c'est-à-dire en fait avec un sol vert et des murs jaunes. Là, nous sommes plutôt sur un bleu horizon, je dirais, qui a un intérêt parce que elle fait ressortir notamment les bois et les os. Et puis d'autre part, ça peut rappeler, si l'on veut, le bleu du ciel, des ciels exotiques. Quelle est la salle la plus appréciée par les visiteurs? Je crois que les sensibilités, elles sont... Ça dépend de chacun. Voilà, ça dépend de chacun. Mais celle-ci est assez marquante, en tout cas. Alors, elle est marquante, c'est pas forcément la plus appréciée. Mm-hmm. Elle est marquante parce que, justement, et c'est un petit peu l'idée aussi des muséographes, c'est de garder un petit peu ce côté choc. Parce qu'il y a un foisonnement, en effet, de massacres et de trophées qui sont assez brutaux dans leur représentation. Alors, il y a aussi, justement, les trompes de chasse, qui sont des pièces maîtresses de l'exposition. On aura dans quelques instants, justement, la chance de recevoir un enseignant et musicien de trompes de chasse, Charlie. Moi, ça m'impressionne. On aura toujours une petite démonstration et il évoquera avec nous, justement, le rôle que ces instruments peuvent avoir lors de la chasse à court. Mais avant cela, je rappelle qu'on peut visiter ce musée tout au long de l'année et notamment durant la saison estivale de 10h à 18h, en fait, tous les jours, sauf le mardi. Mais les jours fériés, c'est ouvert, donc notamment le 14 juillet qui approche. On peut retrouver tout cela sur Internet. Merci d'avoir été avec nous, Françoise. On va rejoindre Héloïse, qui ce matin est en direct de la Motte Beuvron pour l'ouverture de l'édition 2017 du plus grand salon de la chasse en France. C'est dans notre région, le Game Fair. Oui, Jérémy. Alors, mon invité, je vais poser la question. Il a entendu parler du musée de la chasse à Gien, mais il n'y est jamais allé. Et pour cause, lui, son terrain de jeu, c'est plutôt le Sénégal. Et c'est justement le pays qui est à l'honneur cette année ici au Game Fair. Mon invité, c'est Ludovic. Il est avec moi. Bonjour. Bonjour, Ludovic. Alors, vous êtes de Limoges, mais vous avez une partie de votre vie au Sénégal. Exactement. Les 4 premiers mois de l'année, je les passe au Sénégal, où je reçois des chasseurs pour les faire chasser un peu tout le gibier africain qu'on peut trouver au Sénégal. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement comme gibier au Sénégal? Le gibier phare, la pintade, le francolin, le facochère. Ouais. Après, de très belles passées de tourterelles, de gangas, de pigeons verts. Voilà. Ce sont des animaux qu'on ne trouve pas en France?
C'est des animaux qu'on ne trouve pas en France, ouais. Qu'il n'y a pas du tout. Ou qu'on trouve peut-être en plus non, petite population. On trouve quelques tourterelles en petite population en France, mais c'est le seul animal que, par rapport à l'Afrique, c'est le seul qu'on retrouve en France. Alors aujourd'hui, vous avez un campement, vous, au Sénégal, mais ouais. Votre histoire d'amour, on va dire, avec le Sénégal, elle démarre quand pour vous ? Alors elle démarre en 91. Ouais. En 91, elle démarre et... La passion a emporté voilà, sur la chasse. J'ai chassé pendant une vingtaine d'années au Sénégal plusieurs fois par an. Mm-hmm. Et puis en 2012, j'ai décidé de créer un camp directement pour moi. Voilà. Alors qui vient vous voir, qui vient chasser avec vous au Sénégal? Toute classe sociale confondue. Cher quand même de venir. Ça coûte cher, mais on fait partie quand même, le Sénégal fait partie des séjours de chasse les moins chers. De tout ce qui se fait en organisation de chasse. Le D'accord. Sénégal reste un pays qui est très abordable. D'accord. Voilà. On est sur des budgets avec le vol, les cartouches, quelque chose de tout compris. On est en général à moins de 3000 euros. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment pas cher pour des voyages de chasse. D'accord. Voilà. On reste sur des tarifs très, très compétitifs. Voilà. D'accord. Quelle est votre prise la plus belle, ou en tout cas, ou une de vos clients d'ailleurs, peut-être? Alors, le Sénégal, au Sénégal, ma prise la plus belle, c'est les facochères. Il y a toujours, chaque facochère a une histoire. Ça se passe toujours différemment. La chasse n'est jamais la même. C'est une chasse à l'approche qui se pratique le matin de bonne heure en général. Ça veut dire quoi, une chasse à l'approche? Moi, j'y connais rien. Alors, une chasse à l'approche, c'est on part sur des traces. Soit fraîche, soit moins fraîche, et qu'on essaye de remonter jusqu'à temps de voir l'animal. Après, identifier l'animal correctement, savoir si c'est un jeune, un vieux, tirable ou pas tirable. Et si c'est tirable, on peut prélever l'animal. Voilà. D'accord. C'est réglementé, c'est comme en France où on a une... Oui, il y a des périodes d'ouverture de la chasse qui se passent en général début janvier jusqu'à fin avril. Mm-hmm. Et oui, il y a des quotas de prélèvement qui sont faits avec, en général, c'est 3 pintades par jour et par chasseur et 6 francolins par jour et par chasseur. Le reste est une totalité de 25 oiseaux par jour et par chasseur. D'accord. Voilà. Il y a profusion, vraiment, il y a des animaux à profusion. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux. Oui. Est-ce qu'on a quoi? On n'a pas régulé pendant longtemps? Alors, vous savez, la chasse au Sénégal, elle existe depuis 1978. Ouais. Les premiers camps ont été montés en 1978. Et la chasse n'a pas été gérée très correctement. Donc les populations ne sont pas en augmentation, mais elles restent constantes. D'accord. Au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion de la chasse et du Sénégal. Jérémy, vous devez entendre derrière moi, il y a de la musique, des rythmes africains qu'on entend. C'est parce que les portes du Game Fair vont bientôt ouvrir. Et donc c'est comme ça qu'ils vont accueillir les visiteurs. Mais on essaye de les retrouver tout à l'heure justement. Eh bien nous, on va accueillir nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre en direct sur France 3, Centre Val de Loire, pour 9h50 le matin, dans quelques instants avec un sonneur. Mais avant cela, nous a rejoint Olivia. Merci. Oui, failli oublier votre prénom. Non, j'allais dire Héloïse en fait. C'est sympa. Je commence à vous confondre avec Héloïse. Comment ça va? Ça va bien, bah c'est oui, avec grand plaisir que je reviens vous voir. De même, évidemment, avec une sélection d'ouvrages en lien avec la thématique qu'on aborde depuis ce matin, la chasse. Alors on va commencer avec un premier ouvrage, Le bestiaire sauvage. C'est vrai que Charlie, nous étions toujours intrigués lorsque nous étions petits par ces animaux que l'on découvre dans les musées notamment, et celui de Gien qu'on vient d'évoquer à quelques instants. Alors c'est vraiment la formidable transition avec ce livre, effectivement, Le bestiaire sauvage. Alors le sous-titre, c'est Histoire et légende des animaux de nos campagnes. Alors l'idée là, c'est d'avoir travaillé pour l'auteur qui s'appelle Bernard Bertrand. Sur les croyances populaires autour d'un certain nombre d'animaux. Donc, alors évidemment, j'ai choisi par exemple les animaux qu'on va trouver dans la région Centre-Val de Loire. Voilà, il est là en fait, voilà, pour avoir une pleine le page. Le sanglier que nous avons. Alors, bien entendu, le sanglier qui va être, qui est un animal qu'on trouve par chez nous en Sologne, qui est un animal qui est qui est vénéré, pardon, depuis les Celtes, et puis qui est un animal duquel on disait que finalement ses blessures étaient peut-être spectaculaires, mais pas si graves que ça, à la différence de celle du cerf qu'on trouve également dans ce livre. Alors à chaque fois on a une petite fiche d'identification évidemment de l'animal. Avec les croyances, avec les difficultés donc qui... Et ça dément les croyances ou au contraire ça...
Ça ah non, là, apporte... c'est vraiment ça les dément pas. Non seulement ça les dément pas, mais ça nous rend les animaux beaucoup plus familiers, beaucoup plus proches. Et puis, ça donne aussi des éléments sur l'état d'extinction de l'espèce. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est parce que voilà, on est quand même sur des espèces qui sont pour un certain nombre protégées. Par exemple, la grenouille, c'est protégée. Mmh. Là, on a le cerf noble, hein, qu'on appelle arbre de vie. Voilà. Et alors, le cerf, si vous savez peut-être... que le mot draguer, voilà, qu'on connaît aujourd'hui. Oui, Charlie connaît bien. Hein. Voilà. Eh bien, il vient d'une pratique du cerf qui est de daguer. Eh bien, daguer, c'est daguer pour un cerf, c'est faire un gros câlin à sa biche. Voilà, le bestiaire sauvage, l'histoire et légende des animaux de nos campagnes aux éditions Plume de Carotte. Voilà. Et puis, dans un tout autre genre, ça va vous plaire, Charlie, pour les enfants, un conte autour aussi des animaux avec donc la chèvre au loup. Alors, la chèvre au loup, c'est un conte de Maurice Genevoix. Alors, la Sologne, elle est présente avec Maurice Genevoix, qui est donc un écrivain très célèbre dans nos régions. Il y a beaucoup d'équipements culturels, hein, en particulier, qui portent le nom de Maurice Genevoix. La chèvre au loup, c'est un album, c'est un conte qui a été publié à titre posthume en 1996, hein, puisque Maurice Genevoix est mort en 1980. Et la particularité de cet album, c'est qu'il est illustré par une très, très grande illustratrice jeunesse qui s'appelait Rebecca d'Outremer. Là, on voit cette magnifique aquarelle. Donc, c'est l'histoire d'une petite chèvre qui venge la chèvre de Monsieur Seguin, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser d'une très grande horde de loups sauvages. Ce qui est très très intéressant dans ce conte, c'est d'une part qu'il est très bien écrit, et puis qui nous rend aussi, comme le précédent, il nous rend les animaux familiers, gentils, plus attachants qu'ils ne le sont. Encore plus attachants, et on s'identifie effectivement. Très bien, merci beaucoup, Olivia. C'est donc La Chèvre au Loup, un album merveilleux aux éditions Gauthier Languereau. À très vite, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine, mais avant ça, on va rejoindre Héloïse qui ce matin, je le rappelle, est en direct de la Mode Beuvron au Game Fair édition 2017, dont France 3, Centre Val de Loire est partenaire. Que faites-vous à présent, Héloïse ? Eh bien, Jérémy, je vais m'atteler à la chasse à l'arc. Enfin, je vais essayer. Hein. Vous savez à quel point je ne suis pas douée, généralement, pour les démonstrations. Mais là, j'ai un super formateur avec moi. J'ai Bertrand Poquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes instructeur pour la Fédération française de chasse à l'arc. Oui, au travers d'une association qui s'appelle les chasseurs à l'arc franciliens. D'accord. On a un stand ici d'initiation. Le but, c'est quoi? Que les gens viennent découvrir ce qu'est la chasse à l'arc? Ben oui, viennent découvrir ce que c'est la chasse à l'arc, pouvoir échanger, se renseigner sur la chasse à l'arc. Mmh. Et puis, bien évidemment, pouvoir tirer quelques flèches sur des cibles 3D pour essayer un petit peu de retrouver ces sensations, même si c'est que des cibles. Alors, il paraît que c'est une autre philosophie de chasse, la chasse à l'arc. Oui, quoi. Après, je pense que toutes les chasses ont aussi leur propre philosophie, mais la chasse à l'arc est assez particulière, puisque déjà, on est... On tire. On va aller chercher nos arcs. On tire avec des flèches. Donc là, je vous donne un exemple de flèches. Mm-hmm. Il y en a de différentes matières. Donc celles-ci, elles sont en bois. Voilà, donc elles sont assez jolies. Oui, c'est vrai. Et la caractéristique en fait de la chasse à l'arc, c'est ce qui va projeter la flèche. En fait, c'est avec l'énergie humaine. Donc c'est pas de la poudre comme on peut avoir la chasse à la carabine. Munition, exactement. Enfin, c'est notre forme de munition, déjà, on va dire. Exactement. Donc déjà, ça demande une maîtrise. En fait, gestuelle pour pouvoir tirer à l'arc. Oui, il faut être bon tireur. Il faut être bon tireur à l'arc. Il faut s'entraîner. Okay. En fait, c'est la clé du succès. On a combien de personnes qui pratiquent la chasse à l'arc en France? Alors aujourd'hui, au niveau de la Fédération française de chasse à l'arc, on est à peu près 2700 adhérents. Ouais. Donc en progression d'année en année. Et après, sur le territoire français, on estime environ entre 6 et 7 000 chasseurs. Vous me disiez, c'est souvent un moyen de commencer à chasser avant de prendre le fusil. On va commencer par la chasse à l'arc? Pas forcément, mais on trouve certains nouveaux, quoi, ce qu'on appelle des néo-chasseurs, qui n'ont jamais touché un fusil ou une carabine. Plutôt des jeunes. Ouais. À moins de... quoi, excusez-moi. Allons-y, plutôt que de, dans l'ordre. Dites-moi. J'ai fait perdre ses moyens. Bon, attendez de me voir avec l'arc dans les mains. Non, mais c'est pas grave. qui n'ont jamais chassé et qui vont commencer en fait par la chasse à l'arc pour découvrir la chasse. Alors, un équipement, c'est facile. Un arc, des flèches, ça coûte cher?
Bah, ça dépend, il y a un petit peu tous les budgets. Ouais. Ça, ça, donc ça c'est un arc d'initiation, donc ça vaut entre 50 et 100 euros. D'accord, hein, mais on peut chasser avec ça? Non, non, absolument non. pas. D'accord. Donc ici, vous avez un arc de chasse, donc ça c'est un arc d'accord, en, ça, c'est... en bois, vous d'accord. pouvez le prendre. Hein, ouais, ça... il est superbe. Ouais, c'est plutôt léger, hein. Exactement. Ouais. Ouais, c'est, pas, c'est l'intérêt, c'est parce que quand on chasse, on part en vadrouille pendant un petit moment, donc le but, c'est quand même d'avoir une monture un exactement. Peu légère. Exactement. J'imagine. Ok. Donc moi, je vais utiliser celui-là. Oui. Vous me briefez un peu. Donc en fait, vous allez vous mettre perpendiculaire à la cible. Il faut qu'on choisisse une cible assez grosse. Hein. Bon, allez, on va prendre le sanglier. Sinon, c'est pas gagné. Donc, alors, vous allez vous mettre, je vais vous montrer, et puis après, vous allez... Allez-y, montrez-moi. Donc, vous allez prendre votre arc. Ici, vous avez les repose flèches. Je vais prendre une flèche. Oui, c'est mieux avec une flèche, normalement. Hop. Qui va venir se positionner ici, sur la repose flèche. Ici, vous avez un repère où vous allez mettre... La pince. Fait, l'encoche. Ouais. Ça s'appelle une encoche. Une encoche. Vous allez venir clipser ici. Donc, ça tient tout seul. D'accord. Donc, on met bien la flèche ici. Après, vous allez pointer votre bras vers la cible. Oui. Vous allez ici prendre la corde. Vous allez armer et vous allez décocher. D'accord. Bon, je vais essayer de naturellement. Faire... Naturellement, il ne faut pas se crisper, j'imagine. Exactement. Donc, mettez-vous bien. Oh bon, d'accord. Voilà. Oui. Alors, les pieds de profil, n'est-ce pas? Voilà. Je prends ici. Ici. Là, vous prenez bien votre main. Plus haut. Non, comme ça, mais bien. Bien ici. Bien calée. D'accord. Après, vous mettez un doigt ici et deux doigts en dessous. Voilà, dans la première phalange. D'accord. Vous allez tendre votre bras, puis vous allez amener la corde jusqu'à votre visage. Et puis après, ben c'est, là, vous allez faire un tir instinctif. Donc, vous regardez un point sur la cible. Et quand vous sentez, vous êtes un peu haut. Je suis un peu haute. Ouais. Ouais. Bravo. Parfait. J'ai eu le meilleur formateur possible. C'est pour ça que j'y suis arrivée. Bon, Jérémy, je vous attends. Je vous propose une battle. Bon, écoutez, moi je pensais en fait que vous n'alliez pas viser l'animal et plutôt viser la paille. Ouais, moi aussi. Pensez plus douce et moins belliqueuse. Regardez, vous parlez de battle. Moi, j'ai entre les mains ici une trompe de chasse. Vous verrez, dans quelques instants, on va faire une initiation avec Charlie, avec vous, Guillaume. Merci d'être là. Vous êtes donc enseignant et sonneur de trompe de chasse. D'ailleurs, pourquoi dit-on sonneur et pas musicien ? Eh bien, écoutez, c'est comme pour n'importe quel instrument de musique. Une personne qui joue du piano, on dit un pianiste. Oui. Et pour la trompe de chasse, on appelle ça un sonneur. Comme pour quelqu'un qui fait également de la cornemuse, on appelle également un sonneur de cornemuse. Donc ça n'est pas plus compliqué que cela, voilà. Finalement. Depuis quand vous pratiquez en fait la trompe de chasse ? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Voilà, donc ça va faire bientôt 20 ans. Et pourquoi cet instrument ? Pourquoi la trompe ? Eh bien, moi, je suis natif de Forêt d'Orléans. Et donc, il y avait des chasses à cours à côté. Je me suis pris un petit peu au jeu, à les regarder. Et c'est vrai que c'est un son qui m'attirait beaucoup. Et puis, c'est quand même pas très commun. Donc, non, ça, c'est vrai. Et depuis, vous êtes deux fois champion international en 2007 et 2015, champion de France en 2007, champion d'Europe en 2016. Il y a quand même 8000 à 10000 sonneurs en France. Donc, il y avait de la concurrence. Alors... aujourd'hui, vous en faites votre métier. Vous êtes le seul à l'exercer. Comment vous l'avez appris, en fait, ce métier de sonneur ? Alors, en fait, on apprend généralement la trompe de chasse au travers d'écoles de trompe qui sont créées, et c'est quelque chose de convivial. Et on se retrouve entre 20, 30 sonneurs, 10 sonneurs, et entre amis, et puis ça se transmet comme ça. Alors, il y a quelques personnes qui le font professionnellement, mais pas à plein temps. Et moi, dans le secteur de la Sologne, etc., il y a quand même une demande qui est grandissante pour l'apprentissage de la trompe. Et d'ailleurs, vous avez créé votre propre école et association en 2009. Pourquoi finalement ? Pour que la nouvelle génération comme Charlie ne se retrouve pas en fait finalement sans avoir la possibilité en fait de prendre des cours ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les écoles sont plus guidées vers les gens qui ont déjà commencé pour les faire progresser. Mm-hmm. Les gens qui ne connaissent novices. Pas, qui sont complètement novices. Ouais. Savent pas où s'équiper, où apprendre. En fait, il faut être un petit peu dans le milieu. Ça coûte cher, une trompe ? Alors, ça va de 300 euros pour des instruments qui sont plus utilisés à la chasse. Donc, une trompe qui est un peu plus lourde, en fait, plus résistante au choc.
Et la trompe légère comme celle-ci, celle-ci est autour de 2800 euros. Et si on n'a pas d'instrument, vous prêtez les instruments lorsqu'on va assister à vos cours. Parce qu'il y a des cours, donc il faut le préciser, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans l'agglomération orléanaise, à Chilly-Rebois et à Saint-Denis de l'Hôtel. Tout ça, c'est dans le Loiret, où vous partagez en fait votre passion pour la musique. Vous organisez des concerts, parce que ce n'est pas uniquement finalement lors des chasses à cours en fait, que vous jouez. Non, absolument pas. Justement, tout à l'heure, vous parliez des 8 à 10 000 sonneurs. En fait, il y a énormément de sonneurs qui chassent à cours et qui sonnent juste pour la chasse à cours, pour se faire comprendre. Ils ne cherchent pas forcément à aller à un très haut niveau. C'est vraiment pour se faire comprendre lors des chasses. Et après, on est autour de 2500 adhérents à une fédération internationale des trompes de France pour intégrer ces concours. Voilà. Mais lorsque, par exemple, vous participez aux chasses, quel est le rôle, en fait, finalement, du sonneur de trompe ? Alors, le rôle, en fait, c'est d'indiquer aux autres suiveurs de la chasse ce qui se passe. Donc, la vue de l'animal. J'ai vu un animal, mais ce n'est pas celui-là. Les chiens sont partis sur un animal, ce n'est pas le bon animal. Donc, il y a des codes, en fait. Chaque morceau, en fait, a... il y a la vue, le ballot, il est dans l'eau, il est passé le chemin de fer, il a passé l'allée, il a passé la route, il va vers le nord, vers l'est. Mais c'est uniquement les passionnés de chasse qui peuvent jouer de cet instrument ou finalement c'est ouvert à tous ? Alors c'est ouvert à tous parce que le répertoire est très large et bien plus large que celui de la chasse qui répertorie environ une soixantaine de fanfares dites de circonstances et d'animaux, voilà, donc le renard, le sanglier, etc. Et donc on commence souvent par ces morceaux-là, et puis après on peut élargir vers un autre répertoire, donc plutôt en groupe, etc. Alors nous on aimerait justement avec Charlie apprendre à jouer de la trompe. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Vous avez des embouts là sur cette table. Est-ce que tout le monde peut en faire ? Parce que nous, vous avez déjà fait, Charlie ? Je sais que c'est très dur de souffler dans l'embouchure. On appelle ça une embouchure. Voilà, d'émettre un son. Ça demande une bonne condition physique. En fait, Guillaume, comment on fait ? Pas particulièrement. C'est plutôt de la technique. Donc on met ça dedans. Voilà. Là. Donc l'embouchure dans la cheminée. Okay. Voilà. Ah. Et ça s'appelle une cheminée. Voilà, ici. C'est une cheminée. Petite cheminée. Voilà, cheminée. Oui. Le pavillon, donc le son sort à l'arrière. C'est pour ça que souvent on sonne dos au public. Parce que le son va vers l'arrière. D'accord. Parce que quand on est à cheval, on est devant et les gens sont derrière. Donc on prévient ceux qui sont derrière. Donc ça nous permet que le son, d'éviter... en fait, part à l'arrière. Exactement. Voilà, pour prévenir, ça peut s'entendre jusqu'à 2 à 3 km. Et après, alors, comment on fait ? Alors, si on grand monde télévision. Alors, la technique. Il va falloir... Donc, on le met comme ça, l'instrument ? Alors, comme ça, en face. Oui. Et l'important, c'est la respiration, prendre de l'air. Et ensuite, c'est pas simplement la souffler, c'est la vibration des lèvres. On gonfle son ventre pour la respiration. Voilà, on gonfle la ceinture abdominale. Ouais. Et on va pincer les lèvres et on va emmener une pression. On les pince comment ? Montrez-moi comment. Comme ça, sur l'avant plutôt. Oui. Et après... Voilà. On dirait un éléphant. Donc c'est pas très, il y a pas besoin de souffler très fort. Non, ça va effectivement, effectivement. Charlie, allez-y, essayez. Change d'embout. Oui. Voilà. Parce qu'il faut casser votre instrument quand même. Hop. Voilà. Allez-y, Charlie. Celui-ci. Et après, vous allez nous faire une démonstration avec comme un répertoire beaucoup plus large, parce que vous avez. Allez-y, Charlie. C'est très drôle. Voilà. Et on tient le plus longtemps. C'est parce que vous avez des lèvres plus développées, en fait, c'est pour ça que vous jouez mieux. Et il faut combien de temps pour apprendre un morceau ? Alors, pour apprendre un morceau, ça va dépendre des conditions de chacun, des prédispositions de chacun, et puis du travail effectué, comme n'importe quel instrument de musique. Donc, au bout d'un an, même peut-être un peu avant, on peut réussir à faire un morceau. Mm-hmm. Et puis, pour faire quelque chose de relativement propre et sympa, bon, voilà, c'est 2-3 ans. Alors, quelque chose de sympa, on va l'écouter sans plus attendre. Allez-y, mettez-vous en place. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Ce ne sera pas juste de la, on va dire, de la sonnerie, comme on peut l'entendre lors des chasses à cours. Là, ce sera quoi ? Alors, je vais vous faire un court extrait de l'Ave Maria de Franz Schubert. Ah oui, oui. C'est parti, on écoute ça avec grand plaisir. Une première dans 9h50 le matin avec cette trompe de chasse. Charlie, vous jouez mieux que moi quand même. Hein. J'ai remarqué. Thank you.
Bravo, merci beaucoup. Moment divin sur ce plateau de 9h50 le matin en direct sur France 3 Centre Val de Loire. Alors la mélodie, en fait, c'est vous qui la travaillez parce que là il n'y a pas de alors, de notes, pas de en fait. Il n'y a pas de piston, il n'y a rien de tout ça en fait. Hein, donc, alors effectivement, c'est la pression de l'air. À la vitesse à laquelle on va faire passer l'air dans l'instrument, ça fera vibrer les lèvres plus ou moins vite et ça fera une note plus ou moins aiguë. Et ensuite, effectivement, je mets la main dans ce qu'on appelle le pavillon. Oui. Et c'est ce qui fait office de piston. C'est le seul piston qu'on a qui va baisser la justesse de la note d'un demi-ton. C'est ce qui permet d'aller chercher tous les demi-tons. Voilà, une trompe de chasse est accordée en ré. Mm-hmm. Et donc, il y a certaines notes, naturellement, qu'on ne peut pas aller chercher. Et le piston, comme sur les trompettes, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Allez à votre place, restez avec nous, ne pas vous serrer la main. Vous ne nous quittez pas tout de suite. On va rejoindre Héloïse sans plus attendre, qui est en direct de la Mode Beuvron, puisque le Game Fair, le grand salon, évidemment, français de la chasse, commence aujourd'hui jusqu'à dimanche. Héloïse, vous êtes à présent devant un stand du meilleur ouvrier de France. Alors, je suis devant un stand. Vous voyez, les portes du Game Fair ouvrent leurs portes. Vous devez entendre un petit peu de bruit derrière moi. Je suis chez un artisan armurier. Il s'appelle Pierre Chapuis. Et on est sur son stand avec justement autour de nous toutes ses productions. Enfin, une partie. Tout à fait. Bonjour, Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, Jérémy disait, vous êtes meilleur ouvrier de France en gravure. Voilà, tout c'est à ça. Fait. En 97, vous avez obtenu 97. Ce titre-là. OK. Vous êtes basé... dans la Loire, à Saint-Bonnet-le-Château. Voilà. L'une des dernières entreprises. Pratiquement la dernière entreprise artisanale française. D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. On est 7 compagnons et on fabrique entre 80 et 100 pièces annuelles. Alors c'est très peu, mais vous la faites de bout en bout, voilà, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on maîtrise à peu près tous les secteurs de notre activité, la canonnerie, la crosse, la bascule. La gravure, bien entendu, puisque c'est moi qui les réalise. Et on assemble tout le produit en interne. Ouais. On fait également nos traitements thermiques, nos bronzes en couche. On est tout à fait autonome, si vous voulez. D'accord. Alors, on attrape juste un petit fusil pour regarder. Oui, je vais vous en attraper un. S'il vous plaît. Et puis, on va surtout après aussi vous montrer votre œuvre, on va dire, celle qui vous a permis d'avoir le titre. Alors, ça c'est une application de chez vous. Un petit calibre 20, avec une bascule qui est totalement... C'est notre dernier né de l'atelier, une bascule extrêmement fine. Voilà. D'accord, et donc vous avez, tous ensemble, vous travaillez, certains font la crosse. Chacun a ses spécificités, si vous voulez. Vous avez le monteur, vous avez le canonnier, vous avez l'armurier, le basculeur. En fait, le métier d'armurier regroupe 20 corps de métiers différents. Mm-hmm. Donc nous, on est 7 et il faut absolument être polyvalent. Donc vous êtes 7 pour faire 22 métiers, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, ça fascinant. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Vos journées doivent être bien remplies, en tout cas. Tout à fait. Qui vient vous acheter ces armes? Parce que ce sont des pièces uniques, en fait. Mais en fait, nous, si vous voulez, on travaille par l'intermédiaire d'armuriers. Oui. Donc on a 150 dépositaires en France qui nous représentent. D'accord. On n'est pas, on ne vend pas directement. Exactement, vous êtes atelier. On est atelier, on vend par l'intermédiaire des armuriers. D'accord. Alors, si vous voulez bien, vous me la confiez, celle-là, je vais la soupeser un petit peu. Et puis, on va... Ah oui, c'est... C'est pas très lourd. Ah bon? Non, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Est-ce qu'on peut regarder? Oui, mais je vais peut-être vous enlever celle-là. D'accord. Je vais la reposer là. Pardon. D'accord, ça marche. Et moi, regardez, Jérémy, je vais vous faire découvrir quand même ce qui a valu Pierre le titre de meilleur ouvrier de France en gravure. Attendez, je vais vous la monter. Hop. Ça sera plus simple. Ah, vous nous la montez. Voilà. Pour qu'on puisse la voir dans son ensemble. La voir en totalité. D'accord. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on regarde le travail de gravure, parce que donc ça, c'est votre métier. Qu'est-ce que... Voilà, ça, c'est combien d'heures de travail? Là, j'ai 560 heures de gravure, en taille douce, en incrustation, en ciselure. C'est vraiment ma pièce de maîtrise. Le jaune, quoi, c'est de l'or. C'est de l'incrustation d'or, 24 carats, du fil d'or. C'est des petits fils d'or juxtaposés qui sont incrustés et qui donnent une impression de plaque, si vous voulez. Effectivement. Et après, on cisèle. D'accord. C'est un... Je vois aussi que vous avez. Enfin, vraiment, il y a des éléments. Mais après, vous avez la culture ici qui est sortie hors masse. Vous avez un petit blason en argent massif qui est incrusté. En fait, ça représente tout notre savoir-faire. Vous, le meilleur ouvrier de France, c'était une fin en soi pour vous?
Oui, en fait, si vous voulez, quand on est vraiment passionné par son métier, je pense qu'on a envie d'avoir une certaine reconnaissance. Et quelque part, le titre de meilleur voyageur de France, ça vous assure quand même au niveau national, voire international, une reconnaissance. Et de la notoriété. Okay. Et puis c'est même pour soi, quoi, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok, merci beaucoup de nous avoir montré votre travail, c'est vraiment fabuleux. Pierre, vous pouvez venir le voir tout le week-end jusqu'à dimanche, puisque le Game Fair se poursuit jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Et sachez qu'il y a plein d'animations de prévues un petit peu partout dans le salon. Il y a un spectacle pyrotechnique demain soir, donc surtout n'hésitez pas à venir, il paraît même qu'il va faire beau. Je pense que ça va bientôt se découvrir, Jérémy. Eh oui, Carole nous l'a dit tout à l'heure, il fera très beau demain et dimanche. Et Louise, on va se quitter dans 9h50 le matin, mais on vous retrouvera dans quelques instants en direct sur Facebook, sur la page France 3 Centre Val-de-Loire, pour aller plus loin encore autour de cette édition 2017 du Game Fair. Avant cela, Carole est avec nous. Carole, on le disait en début d'émission, avec la chaleur, les moustiques sont de retour et vous avez quelques astuces pour nous, à la fois pour éviter les piqûres. Voilà, et si quand on les a quand même, eh bien, il y a des solutions pour soulager. Voilà, parce qu'au Game Fair, il y aura des moustiques, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors déjà, pour éviter de vous faire piquer, un petit conseil, évitez de porter des habits de couleur trop foncée ou trop brillante ou encore même fluo. Parce que là, donc ça pas bleu électrique comme vous, par exemple. Pas pour le soir, en tout cas, quand les moustiques se réveillent. Alors ensuite, si vous aimez le patchouli, c'est le moment de vous parfumer avec. Parce que, alors nous, on trouve que ça sent bon, enfin, pour certaines personnes. Mais les moustiques n'aiment pas. Le moustique, lui, il déteste. Alors, une petite astuce pour ne pas avoir de moustiques dans votre chambre le soir. Vous prenez une orange. Oui. Alors, pas pour manger, hein, de toute façon. Vous l'épluchez et vous la piquez avec des clous de girofle. Vous en mettez une dizaine sur l'ensemble de l'orange et vous la déposez sur votre table de nuit. Et ça va les éloigner. Très efficace, c'est naturel, ça sent très bon. Aucun danger, d'ailleurs. Charlie, vous pouvez même le mettre dans la chambre de votre bébé. Et si ça nous gratte les boutons de moustiques, parce que ça arrive souvent, ça, hein. Lorsqu'on s'est fait piquer. Oui, quand on s'est fait piquer. Alors, il y a plein de petites astuces qu'on ne connaît pas forcément. Il y a le savon de Marseille, ça soulage, c'est très apaisant. Le bicarbonate de sodium, là, je vous en reparlerai dans une autre rubrique parce qu'il a énormément de vertus. Vous avez le vinaigre blanc. Ah, donc on prend un petit couteau avec du vinaigre blanc, voilà, comme ça, exactement. D'accord. Ça ne sent pas super bon, mais enfin, ça calme. Le persil, c'est très, très efficace contre les démangeaisons. Vous l'écrasez et vous appliquez donc directement sur votre piqûre. Après, il y a l'ail et l'oignon. Ça fonctionne très bien aussi. Bon, ça ne sent pas super bon. J'ai une petite préférence pour les feuilles de pissenlit ou encore les feuilles de menthe, pareil, que vous écrasez. Et dernière solution, le géranium. Vous en avez dans votre jardin. Ça sent bon, le géranium. Vous l'écrasez, évidemment. Vous faites une petite pâte et vous passez votre piqûre. Ça va éviter que vous vous grattiez toute la nuit. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. On n'aura pas le temps, malheureusement, de vous écouter. On se retrouve lundi en direct sur France 3, Centre Val-de-Loire, pour un nouveau numéro de 9h50 le matin. Avec plaisir. Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan. Hello les amis, un beau vendredi sur l'île de Léron et ça sent déjà les vacances ici puisque c'est la dernière émission de la saison. On a réuni toute la petite famille de Midi en France et c'est Églantine qui conduit. Allez, vas-y, il faut être coché parce qu'ils nous attendent sur France 3. Allez Églantine, vas-y démarre. À voir et à revoir sur France TV. Demain, sur France 3, Pierre Arditi visite les Corbières et il s'en rappellera. C'est ce pauvre Géronimo. L'un de tes amis. Ne parlez pas d'accident, je vous en prie. Quelqu'un l'a fait taire. Certaines vérités sont explosives. Et boum. J'irais bien jeter un œil sur ces dossiers, moi. Bon, on arrive trop tard. Hein. Ce qui devait être un séjour gastronomique pourrait bien devenir... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un stage de survie. Hop, 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 hop. Je cède devant...